nous a produit, je dirais, à nu les difficultés de nos entreprises. Comme M. le ministre a mentionné hier, sur l'ensemble du montant que le gouvernement a mis en place, les entreprises ont été capables d'aller chercher pour moins de 20%. À ce jour, nous sommes pratiquement à 28,8 milliards de francs CFA pour 700 entreprises. Donc, l'argent est là, mais le défi qu'on a, c'est de suivre la qualité des dossiers, c'est de multiplication des entreprises. Si je prends par exemple le secteur touristique, à ce jour, l'ensemble, sur l'ensemble du montant alloué à ce jour, sur 700 entreprises, on a 95 entreprises seulement du secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration. Et nous savons tous que ce secteur est le principal secteur qui a été touché. Lorsque vous prenez les ressources des fonds Covid, sur l'ensemble des 28 milliards, environ 87% est allé au moyen des entreprises. Donc on appelle moyenne entreprise une entreprise qui a un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions. Ces entreprises en Côte d'Ivoire représentent 8% des entreprises. Mais 8% des entreprises ont pu aller chercher 91% des fonds Covid. Les petites entreprises, c'est 2% et elles ont environ 1% sur les fonds Covid. Et dans le secteur touristique, c'est un secteur où on a une forte prévalence de petites entreprises et de micro-TPE entreprises. Et nous sommes à 79%. Donc ce que cela nous montre, c'est que, effectivement, dans les fonds Covid, les entreprises touristiques n'ont pas toujours été capables de remplir les conditions qui sont là. Et effectivement, le gouvernement en est conscient, au vu des autorités, des décisions sont en train d'être prises. Les masses ne peuvent pas avancer sans question de financement, j'en suis conscient. Et c'est un point qui, effectivement, est toujours relevé. Et cette crise, effectivement, a permis de comprendre que oui, le financement, c'est important pour une entreprise. Mais un des aspects qu'il faut prendre en compte, effectivement, c'est la capacité de l'entreprise à fournir des fonctions financières et comptables. Et c'est dans ce sens que l'État, à travers différentes actions, dont celle que nous menons à l'Agence Côte d'Ivoire PME, définit un certain nombre de programmes pour accompagner les entreprises. Aujourd'hui, si vous prenez la base de données des impôts, on a environ 198 000 entreprises PME. Pour l'Agence Côte d'Ivoire PME, sur les 4 dernières années, nous avons accompagné 20 705 entreprises au travers de différents outils, différents instruments. On nous dira bien sûr que ce n'est pas suffisant, on est conscient, et c'est pour ça que nous faisons un travail continu, parce que l'Agence Côte d'Ivoire PME aujourd'hui est présente. Est présente à Boaké, San Pedro et Abidjan uniquement. Et aujourd'hui, nous sommes en région sur la question de la force des PME en région. Lorsqu'on vous dit qu'Abidjan a reçu 88% des fonds et qu'en région a beaucoup de difficultés, cela pose la question de comment est-ce que nous renforçons les écosystèmes régionaux. Si, en tant qu'organisation, on est capable de mettre en région des services d'accompagnement, des services d'incubateurs, soutenir les ONG, fournir les ressources qu'il faut, alors on se rend compte clairement que les entreprises, on renforce la capacité d'entreprise. Parce qu'une entreprise basée ici en région n'a pas la même chance qu'une entreprise basée à Abidjan en termes d'accès aux ressources. Et c'est en cela qu'on doit continuer à faire le plaidoyer pour voir comment est-ce qu'on est capable de renforcer les acteurs. Donc l'agence de l'OAPE, on a su faire le chef d'orchestre, mais ce n'est pas sur l'agence de l'OAPE. Vous avez les CGA, vous avez les experts comptables, vous avez les ONG, vous avez les incubateurs. C'est tout cela mis ensemble qui renforce l'écosystème régional et qui font qu'on est capable d'acheter de l'argent. La leçon à tirer, c'est que bien sûr, en région, nos acteurs ont besoin de nous et qu'avec l'appui du secteur privé, nous devons être beaucoup plus présents. Au niveau de l'agence Côte d'Ivoire, nous continuerons à soutenir les médias du secteur privé fort. La Côte d'Ivoire a fixé des objectifs très ambitieux pour 2030 et ensemble, nous devons réunir les forces et faire en sorte que dans les prochains mois, dans les prochaines années, en Côte d'Ivoire, on ait davantage d'Ivoiriens qui s'engagent. Qui s'engagent, bien sûr. Dans l'entrepreneuriat et qu'ensemble nous puissions aller à la population des gens. En tout cas, je vous remercie pour cette opportunité. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagnez l'avenir.